Faites comme maintenant. Fais comme un oiseau, sa vie est plus raide aux flèches, l'oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau d'aller plus haut. Savez-vous que Michel Fugain, en passant, il parle de Michel Fugain, oui. Oui, c'est un homme que j'ai bien aimé. J'ai raconté l'histoire. Est-ce que je dois ratoter? Parce que les gens m'écoutaient pas tout le temps, hein, au début, là. C'est parce que là, j'ai passé des journaux, puis ah, bon, là, je suis rendu, j'ai passé sur... Il y a juste un rouleau compresseur qui m'a pas passé dessus, moi. Quoique, ça va s'en venir, là. Ah, je regarde pas quand je traverse, moi. Ah, non, je regarde pas. Guy non plus, hein. Guy la traverse, il regarde... Non, Guy la traverse. C'est que... qu'est-ce que je voulais... Là, c'est bien. Ça, là, c'est comme j'aime parce que je me souviens plus ce que j'avais dit. Faudrait que je repasse l'enregistrement. Est-ce qu'on a le temps de faire tout ça ici maintenant? Raymond, je sais qu'il y a du monde qui m'écoute. Mais pas de pression. Merci. Alors, soit qu'on continue ou que je remémore. Puis si je remémore, ben là, ça peut être difficile parce que je pars au début de l'émission. Alors, devenir membre vous offre un accès vers la divergence. Ça allait être bon, là. Ça allait vraiment, là, ça allait décoller. Ça a tellement décollé que... L'autre façon d'examiner le macrocosme, l'ultime manière humaniste et hétéroclite de suivre un monde en changement. Et si vous saviez où j'étais rendu, là. C'est ce qu'a dit Rowe. 1586. Avant que la mémoire me flanche. J'ai la mémoire qui flanche, je ne sais plus pourquoi. Mais ça, c'est vrai, ça me ressemble, ça. Cette chanson de Jeanne Moreau, là, c'est ma vie. Ma vie! Ah oui, je voulais vous parler de... Oui, non, merci. C'est revenu tout seul. Je suis redevenu conscient après quelques secondes. Non, mais Michel Fugain, c'est parce qu'à un moment donné, moi, j'étais... Là, riez pas. Parce que si quelqu'un rit, là, je m'en vais d'ici, OK? Là, j'ai déjà été agent de sécurité. Le monde était ça riait. Ah, regarde-moi le gars qui en est en sécurité, c'est un clown! Un gars de sécurité! Ah oui, j'ai déjà été agent de sécurité. Mais moi, là, lorsqu'on me met l'habit, là, on me place l'habit, je deviens le personnage. Attention. Habillez-moi pas en militaire. Alors, donc, là, non, c'est vrai, moi, ça porte ça, moi. Moi, habillez-moi en militaire, là. Pourquoi t'as tiré tout ce monde-là? Militaire! Militairement. Alors, Michel Fugain était à l'Agora du Vieux-Port à l'époque où c'était ouvert, mais là, il travaille pour la réouvrir. Moi, je plais. En fait, j'étais agent de sécurité, entre guillemets, parce que plus placier. Et je dirigeais les gens et je faisais attention pour pas que les gens se blessent lorsqu'ils se levaient parce qu'il faisait noir, blablabla. Et j'avais une lampe de poche qui éclairait plus que moi. Et moi, parce que moi, je me considère un peu plus comme veilleuse que l'homme de poche. Et là, je dirigeais la dame, une jeune femme, vers sa place. Et les lumières se sont mises à descendre. J'allais dire à se dégrader, oui. À descendre, mais je l'ai dit quand même. À descendre. Et pendant que j'installe la dame... Hein, je détruis la petite parce qu'il y avait eu un petit peu de pluie. Là, ça fait... Attention, madame! Et là, je perds ma lampe de poche. J'ai fait le saut de ma vie, moi. Michel Fugain partait, là. Et c'est...